Hey, une pizza est cachée dans cet épisode. Sois le premier à la retrouver et envoie-nous le screen sur Twitter. Yo les pizzas, c'est votre cas. Aujourd'hui, on se retrouve dans un sous-sol. Alors pourquoi un sous-sol? Pourquoi j'ai cette coupe de cheveux? Pourquoi j'ai des courbatures? Eh bien, tant de questions dont vous n'aurez jamais la réponse. Mais aujourd'hui, on est sur Blue Simulator, donc on s'en bat les couilles. Allez, c'est parti! Wouh! Alors, on commence par écrire le nom de la compagnie. Mais la compagnie, bien sûr, la compagnie des Pizza Guys, bien sûr. Pourquoi? C'est un peu le nom de la chaîne, connard. Allez, c'est parti. Alors déjà, on remarquera que tout le monde a l'air vachement heureux. Hein. Ah, il y a des gens en fauteuil roulant. Ah, déjà, ça commence. Pas de vanne là-dessus, attention. Regardez, on dirait qu'ils jouent au jeu, vous savez, du... Vous faites ça avec votre dos. Alors, attention, c'est très, très enfantin de faire ça. Oui. Oui. On le fait souvent. Mais oui, ils le font dans le bus. C'est genre, hey, vous devez payer là. Oui, ça me fait rire tout seul, d'accord. Ça va. Voulez-vous lancer le diacticiel? Eh, on serait pas un peu des malades? Ah, faut cliquer. Bienvenue à Sunny Spring. Chaque ville a besoin d'un bon réseau de transport public. Et il se trouve que vous venez d'acquérir une petite compagnie de bus. Félicitations. On a tous des rêves dans la vie, mais celui-là, je le place là. Mesdames et messieurs, j'ai une compagnie de bus. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Pas grand chose apparemment. Ouh, on part sur un petit GTA Like là, je suis à pied. C'est excellent. Oula, 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 oula. Eh, par ici. Attends, j'arrive. Je sais pas comment on se déplace. Ah, c'est bon. Bonjour, je m'appelle Ben, nous sommes parlé au téléphone. Mais pas du tout Ben, t'es complètement taré. C'est très ponctuel, en même temps, vu le temps de chargement, j'avais le temps d'arriver. Hein. Alors, non seulement je rachète la compagnie, mais en plus c'est moi qui veux conduire. Enfin, genre le mec, je sais pas, t'achètes une compagnie, tu payes des gens pour le faire. Enfin, vraiment, faut s'y réfléchir. Hein. Voilà la merveille, capte-toi gars, c'est un bus. Oh, je suis dans le... Hey, je suis dans le bus. Eh, hey, cousin, je me mets au fond. Même tu sais, donner les bails. Donc, on va pas se mentir. Parce que j'y pensais il y a pas longtemps à ça. Dans un bus, il y a plusieurs, bien sûr, étapes. Mais la meilleure, c'est celle-là. Parce que regardez, là, c'est Jean-Michel et Jean-François. Un télo, ils lisent un livre. Bon, voilà. Là, derrière, c'est Noémie et Camille. Bah, alors, elles, on sait pas trop ce qu'elles font, mais elles discutent, quoi. Elles se sont mis à quatre. Bon, il y a deux Noémie, deux Camille. Attention, on va pas non plus commencer à me prendre pour un con, je sais compter. Elles discutent de rien, parce que c'est un peu aussi les intellos, mais Jean-François a pris la place devant. Donc, forcément, bah, Noémie, elle est un peu déçue, tu vois. Je peux la comprendre. Moi, ça me ferait chier. Moi, ça me ferait chier si j'étais un intello. Je suis pas vraiment un intello, hein. Je pense que ça se voit quand même, hein. Elle aurait dû être devant. Tout simplement. Bon bah l'autre côté c'est le même schéma, hein. De toute façon on va pas commencer à... Hein. C'est toujours un schéma un peu symétrique. J'ai lu vos commentaires, j'ai vu symétrique, j'y ai pensé. Et ça c'est grâce à vous. Écoute-moi son rendement, calme-toi le gars, c'est un bus quoi. Les mecs ont l'impression qu'ils ont acheté une Porsche. Écoute-moi ça, écoute-moi, écoute-moi le bruit. Écoute, Tenta, c'est de la merde. Tournez la clé vers la droite trois fois pour démarrer le contact, oula. Excellent, putain, c'est super compliqué, Bus Simulator, et moi je suis pas prêt, les gars. Hein. Allumer les feux, ça va attendre d'y avoir des petits rires. Comment on allume les phares? Utiliser l'interrupteur pour les phares. Ça, c'est la tablette. Bah, attends, le mec, il a Candy Crush quand il conduit, et c'est dangereux. Voilà, allumer la lumière du bus. Oh là là, eh oh. Et attends, mais on est en plein jour. Eh oh, c'est pas très écolo tout ça, tout allumé là, c'est dangereux. Enclencher le frein à main. Et parce que conduire avec un frein à main, ça use les pneus, attention. Utiliser la molette par les filaments sérieux pour passer en vue troisième personne. Wow! Attendez, on va pouvoir jouer avec les portes maintenant. Le soir, ce soir, le plus techno vous accueille de 20h à 21h avant d'aller en boîte de nuit au Papayou. Une entrée et une course au fait. Eh, je conduis bien quand même pour un mec qui conduit pour la première fois un bus. Bah, ça aurait pu être pire quoi. Ok, on va tout droit. Attention! Poussez-vous! Oh, il est passé au rouge! J'aurais pas aimé! Il y a un petit. Attends, le gars, déjà, attends, excuse-moi, le mec est quand même un truc en tuning. Oh, c'est ça, c'est Olivier ça. Le retour d'Olivier. Olivier! Ah, il y a un arrêt de bus là-bas. Ok, on va prendre nos premiers clients, ça va être excellent. Eh, je sais pas vous, mais moi j'ai le palpitant qui monte, hein. Ah bien sûr, vous savez très bien ce que je vais faire. Attention! Ah mon dieu, vous avez recruté quelqu'un. Ah, vous avez la chance, plus personnel apparemment. Plus... j'ai tué 3 personnes. Ça va, 3 personnes, ça va. Attendez, je recule. Y'a quelqu'un derrière ou pas? Ah, mais moi je recule et je regarde après. En montant un peu sur le trottoir, c'est pas grave. Hop, j'ai mis mon clignotant. Allez-y les gars, vous pouvez monter, je vous l'apporte un. Excellent! Ok! Eh ben on n'est pas prêt d'y arriver, mais ça avance petit à petit, hein! Agenouillez toujours le bus avant d'ouvrir les portes, les passagers vous remercieront. Agenouillez toujours le bus. Comment on agenouille le bus? On referme les portes ou pas? Attends, y'a un mec qui est monté derrière. Ça, c'est le mec qui a pas de ticket, ça. Oh là là! Ah d'accord, donc lui il a pris un ticket au loin. Ah, d'accord, bah merci. Merci le futur, quoi. On enlève le frein à main et on repart! Essayez d'arriver à l'heure à chaque arrêt. On va se calmer. Déjà, on roule à 44, hein. Excuse-moi, mais pour une bête et un ronronnement, on va pas très loin, quoi. Moi, quand j'ai vu le jeu, je me suis dit, putain, ça va être énorme, tu vas conduire des bus et tout, faire des carnages en ville, mon gars, ça va être trop bien. Genre, les gens, ils vont te parler et tout. Puis en fait, pas vraiment ça, quoi. Mais on s'amuse, regardez. On double. Hop là. En fait, le mieux, quand même, c'est d'utiliser le trottoir, au moins, ça va plus vite. Attention, madame. Attention, madame. Attention, ça passe pas. Oh là, ça passe. Excellent. J'arrive, et là, on fout un coup de frein à main et on freine, attention. Et, arrêt parfait. Bon,
un peu dangereux. Comment on a jamais eu le bus là? Ah, c'est F, ok. Bon bah je vais le faire à la prochaine, promis. T'es promis, Gustin. Des moments, tout le monde est monté, on peut y aller? Je sais pas vous, perso, mais moi quand le bus il s'arrête et il s'agenouille, ça me fait juste peur en fait. L'homme un peu chelou. Non mais je me dis putain, ça se trouve le bus va s'agenouiller quand on va rouler, on va tout taper le sol, on va tout mourir et tout. Après j'ai beaucoup vu le film Speed, donc c'est aussi pour ça. Attention, je sais pas trop où on doit aller là. Alors je suis désolé, le jeu lag un peu parce que. Je suis pas, c'est pas mon PC, j'ai pas encore fait les réglages, donc forcément. C'est un jeu en plus qui demande beaucoup, c'est con à dire, hein. Mais un jeu comme ça, ça demande beaucoup de mémoire. C'est triste, pour un jeu aussi bien, une aussi bonne qualité quand même. Parce que c'est quand même une simulation de bus que je suis en train de faire. Je sais pas si tu te rends compte chez toi, je simule un bus. Bon bah voilà. Et mine de rien, on a déjà fait du qu'est-ce qui se passe? Moi je suis coincé. Attendez, on va se mettre en vue intérieure quand même. Ça, tout se passe bien tout le monde? Oh, pas dans le rétro ce qu'ils font. Ah, regardez celui qui est assis là. Oh, il y a un logo, fermez vos gueules. Enfin, on peut l'appeler silence aussi, pour moi il y a écrit ferme ta gueule quoi. Genre vraiment, c'est écrit en toutes lettres, mais pas avec des lettres. Enfin, tu vois ce que. Arrête de compliquer chez toi, essayer de comprendre ce que je dis. Moi non plus je comprends pas ce que je dis, mais ça veut dire quelque chose au final. Et ça c'est vous. Bonsoir. Bonsoir. Eh ben putain, ils ont le sourire, on voit qu'ils sont contents d'aller au boulot, putain. On remet l'agenouillement, on referme les portes. J'ai l'impression de désamorcer une bombe quand je joue à jeu. Ok, c'est parti, qu'est-ce qui se passe? Mesdames et messieurs, calmez-vous! Ceci n'est pas un exercice, la porte est bloquée! On bat les couilles, frère. Au secours! On se fume un pétard! Oh bah alors lui, il a pas l'air content, hein. S'il vous plaît, tuez-moi! N'ayez pas peur. Et voilà, smartphone encore, Candy Crush et j'en passe, allez, et regarde lui aussi. Mais toi t'es sur ton menu là, regarde il fait genre il a des amis. Regarde-le. Oui j'ai des amis, oui de temps en temps j'envoie des textos. Allez, prends-nous pour un con Bernard. Elle aussi, et oh, ah, ouais disparu. Bonsoir. Disparition. Alors il y a écrit, bon bah surtout ferme ta gueule, interdit de fumer et interdit de branler la barre. Et ça je peux le comprendre parce que des gens qui branlent des barres quand tu conduis, bah voilà, c'est pas si marrant que ça. Eh oui c'est dangereux même. Qu'est-ce qu'il y a comme brouillard dans cette ville? C'est pas fameux hein. La ville s'appelle Sunny quand même hein, attention pas confondre avec Sunny Delight. La ville s'appelle Sunny et il y a de la brume. Donc forcément il y a un problème, déjà, c'est sûr. Oh putain... C'est quoi c'est, ça c'est les clients chiants tu sais, c'est le mec, il te fait perdre ta journée quoi. Oh c'est en euros. C'est un jeu européen, mesdames et messieurs, et oui! Et non anglais, ou américain, ou canadien! Parfait, vous êtes fait pour ce métier, je suis pas sûr, on va se calmer tout de suite. C'est quand même bien, hein. Bah ouais, mais c'est le gars, il est devant moi. Ah, moins de 80€ parce que j'ai grillé un feu. J'avais oublié qu'il y avait aussi de l'argent à gérer. Moi, à la base, j'ai juste acheté une entreprise de bus qui s'appelait Pizza Guy, et faire de l'argent, tu vois. Et bah au final je vais pouvoir conduire un bus et à me prendre des PV. Alors merci. Bon écoutez mesdames et messieurs, on s'arrête là-dessus, sur cette petite speed accessible sur ce bus. J'espère que ce jeu vous a plu, je vous en ai parlé sur Facebook et sur Twitter. J'avais mis un post du genre hey, vous voulez que je fasse une vidéo sur ce jeu? Finalement j'avais pas eu le temps. Mais là j'ai eu le temps. Donc voilà je l'ai fait. J'espère que ça vous a plu. C'était une petite vidéo un peu courte certes, mais ambiançante. Et j'espère que ça vous a rappelé vos années collège et lycée pour les plus vieux d'entre vous. Et pour les plus jeunes, n'oubliez jamais. Être assis au fond c'est la classe. Mais c'est pas si grave si vous êtes assis devant avec Noémie et Camille. Allez, salut !Ils ont fou munitions les gars. Eh ouais, pas con l'artiste. Yes, un fusil, c'est beau ça. Je suis rentré comme ça, y'a personne qui a remarqué que j'étais rentré. Pas de soucis.